Bonjour à tous, bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 3. Je tourne à la suite du 2 sur Uncharted 3, Drake Fortune. Alors là, Et j'ai voilà, bien tourné à la Chris. suite. Trop loin pour sauter, on va se briser le cul. On n'a pas sauté, celui. Il y a peut-être un trésor par ici. Merde, c'est un cul-de-sac. Non, bon, c'est là-bas le chemin alors. Par là. Et où est-ce qu'on va? Charlie, on a affaire à qui? Métro de Londres. On est arrivé au métro de Londres. Magnifique. Regarde ce que c'est. Tous ces trucs rouillés ici depuis un siècle. On peut peut-être passer par là. On fera jamais bouger ça. Je crois pas. Attends. Il y a un contrepoids là-haut, il a l'air coincé. L'un de nous doit grimper là-haut pour voir si on peut le débloquer. Bien vu. Qui s'y colle? Ah bah déjà tiens. Si on monte par là, ça sera déjà largement plus simple. Peut-être récupérer notre trésor. Ok, je suis presque. Et voilà. Ouais. Prends ton fort. Tiens. Ah, moi je suis bugué. Non. Oh bien, j'étais bugué, vous avez vu cela? Un beau petit bugué. Ah t'es bugué. Main en l'air. Oh, on a dû prendre la mauvaise voie quelque part. On est dans King's Cross. On bouge plus. Référence à Harry Potter, hein. King's Cross. Bien joué, mon pote. Malin, toi. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Alors ça, j'en ai encore jamais vu. Tu as une garde, je sais quoi. Ça doit avoir de sens. Oh, ben, juste quand on se dit que ça pourrait pas être pire. Eh ben, ça peut être pire tant que tu le vois.
On vérifie un coup s'il n'y a pas les trésors. Arrêtez de me suivre, mon idiot. Oh là là. Ils ont dû passer ici. C'est magnifique. Époque Tudor, 16e siècle. Par ici. Doucement, Nate. Regrettable, stupide. Votre erreur de jugement aurait pu nous coûter très cher. 400 ans de recherche. Quoi? C'est pas possible, j'ai vérifié moi-même. Ce n'est pas la bague. Merci. Je l'avais dans les mains. Je l'ai vu la mettre à son cou, c'est insensé. Nous avons été trop trompés. Cutter. Vous montez la garde et vous restez en alerte. Ils nous ont peut-être suivis. Vous, venez avec nous. Trouvez-les et rapportez-moi cet amour. Bah dis donc. Ah, ils peuvent nous tuer, ils peuvent être gentils dans l'anneau, dis donc. Je trouve ça honteux. Quel livre, Einstein? Il est à Théo Laurence. Laurence d'Arabie. Ouais, je sais qui c'est. Posté de Dorset le jour de son accident de moto. 13 mai 1935. Ils l'ont sûrement tué dès qu'ils l'ont eu. Il? Oui, il, eux, ces types, quels qu'ils soient. Oh non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'était un accident. Des témoins ont vu une voiture noire heurter sa moto. Les gars. Oh, quelqu'un a étouffé l'affaire. Possible. Nate. Quoi? Ça fait 20 ans que t'attends d'avoir ce truc entre les mains. Ouais.
20 ans. Alors, voyons voir. Elle. Ah. Ça dit quoi? Langue hidden. Quoi? Tu rigoles? Caché depuis longtemps, c'est une blague. Le prends pas mal, mais ton ancêtre était un bel enfoiré. Fermez-la, c'est un anagramme. Golden Eye. La biche d'or. Le navire de Grec. C'est un indice. Un truc doit être caché dans cette pièce. On se sépare. Cherchez bien. Et qu'est-ce qu'on cherche, Luc? La biche d'or. Ça peut être une statue ou une peinture. Et qu'est-ce qui fait croire qu'elle est là? Elle est forcément là. Ouais, elle pourrait aussi bien se trouver dans la ville de Gotland. Elle est là. Je l'ai trouvée. Je l'avais vue dès le début, hein. Là-haut, la tête de proue du bateau. On peut monter ici. Merde, c'est un piège. Oh non, à couvert. Chopez leurs armes. Oh, c'est bon, moi j'ai chopé leurs armes. Ah, j'ai besoin de munitions. Allez, on va leur y aller, hein. Yo, yo. Simple, facile, celui-là a l'air très simple en Uncharted, l'Uncharted 3 facile. Regarde, Nate, cet endroit est infesté. Thank you.
stack, on se dit que si on arrive dans la tête début de jeu, ce serait vachement chiant. Allez, c'est là que tu commences à avoir un peu d'action, enfin. Hé, hey, y'a une échelle. Allez, plus vite. Allez, on continue à avancer. Juste faire un truc, c'est que je vais fermer mon rideau, enfin je vais tirer mon rideau pour avoir la meilleure luminosité pour moi avec l'âge du soleil. Du coup, niveau luminosité c'est réduit. Voilà. M'attaque pas pendant que je tire, toi. Mal poli. S'il y a un chargeur entier, mais au moins ils sont bon. J'en ai limité à moitié. Merci. D'où tu prends le fusil à pompe, toi? D'où tu veux prendre le fusil à pompe? T'es nul, toi. Un fusil à pion ciné, excuse-moi. Mais c'est nul quand même. Non mais... Tu me rejoins? On sort de la vieille gare de North Sadwood. Pas le temps de t'expliquer, mais on a de la compagnie. Ça peut rioriser avec le 4. Oh, super, je crois bien que je trouve quelque chose. Sans santé. Au travail, bien fait. Ouais. Tu te joins pas à nous, chérie? Si. Si. Cette carte nous le prouve. Drake n'a pas perdu son temps dans les Indes pendant 6 mois. Il a filé tout droit vers l'Arabie. Ouais. C'est là que c'est intéressant. Vous voyez ça?
C'est la signature de John Dee. C'est qui, John Dee? John Dee, un des plus proches conseillers de la reine Elizabeth. Tout le monde sait ça? Oui, oui. Mathématicien et navigateur hors pair. Un avant-gardiste. C'est sûrement lui qui a inventé ça. Féru de sciences occultes et tout un tas d'autres trucs bizarres. Et il signait toutes ses lettres à la reine avec ce symbole. Il était ses yeux. 12007, là. 007. C'est pas vraiment utile. Donc, c'est John Dee qui a envoyé Drake en Arabie. Oui, il semblerait. Dee et Elizabeth. Et Wolfingham. Bon, mais pourquoi faire? Je donnerais beaucoup pour connaître la réponse. C'est là que T.E. Lawrence entre en jeu. Avant que Lawrence devienne Lawrence d'Arabie, il était archéologue. Même enfant, il était obsédé par l'histoire, surtout les chevaliers et les croisades. Il a voyagé partout et a répertorié chaque site des croisades. Tout est là. Attends, tu m'as perdu en route, petit. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec Drake? J'y arrive. Après la guerre, Lawrence a dit que s'il retournait un jour en Arabie, ce serait pour trouver un endroit appelé l'Atlantide des Sables. Les légendes foisonnent, mais on lui donne plusieurs noms différents. Ubar, la cité des mille piliers, Hiram. Mais le récit est toujours le même. Oh, une cité aux richesses immenses, détruite par les dieux pour son arrogance, engloutie pour toujours dans les sables du désert des Balkans. Je suis ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la richesse immense. Je pense que c'est pour ça qu'Elisabeth et Dee ont envoyé Drake là-bas. C'est clair. Et surtout, c'est ce que Marlowe recherche. Bon. Mais si Drake a été envoyé par la reine pour trouver cette cité perdue, pourquoi tous ces secrets? Il s'est quand même donné beaucoup de mal pour que personne apprenne ce qu'il a trouvé. Pas même Sa Majesté. J'en sais rien. Oh, pardon, redis-moi ça. Attends, excuse-moi, mais la dernière fois qu'on est allé à l'autre bout de la Terre pour trouver une cité perdue, ça n'a pas été de tout repos. Mais là, on a les cartes en main. Regardez, Drake avec la moitié des indices. Et Lawrence, l'autre moitié. Nous, on a les deux. Et Marlowe, rien du tout. Le seul problème, c'est le désert du Balkali. Ce truc fait 1000 kilomètres de large. Les Bédouins eux-mêmes le contournent. Et même si on savait où aller, ce n'est pas le cas, on mourrait avant de tomber dessus. Une seconde. Vous voyez ce symbole? Ouais, ça ressemble c'est à du Sabin. Oui. Les croisés recherchaient cette même cité perdue il y a 1000 ans de ça. Mais de tous les sites que Lawrence a documentés, il n'y en a que deux qui comportent ces symboles. L'un est en Syrie et l'autre en France. Non, vous allez en Syrie et nous en France. Si on suit ces indices, on trouvera la cité perdue. Vous allez en France, oui. Et après, comment on va? Pas sûr, l'Uncharted 4, elle va en Inde. Là, elle va en Syrie, en Inde. Au milieu du désert. C'est plutôt occidental que ça. C'est 500 km. J'en sais rien, on trouvera un moyen. On pourrait en parler une fois sur place. Voilà. Alors? Pourquoi pas? Je suis partant. Oh, quelle odeur atroce! Oh, l'Est de la France. Comme tout. C'est quoi ça? Moi aussi j'habite dans l'Est. Hein. C'est peut-être chez moi. On dirait qu'on va continuer à pied. Quoi? Y'a vraiment toi pour trouver une jungle au milieu de la France? Au moins, on se dirige dans la bonne direction. Le château est par là. C'est pas loin. Dunaire. Ouais. Les amis, on va se laisser ici pour cette aventure. J'espère que cet épisode vous aura plu. L'épisode 3. Je posterai l'épisode 1 en train de se poster actuellement. Je posterai l'épisode 2 demain. Sur ce, on se dit à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir tout le monde.